Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Fyronix et aujourd'hui dans ton point une nouvelle vidéo, on va parler d'un tout nouveau défi, c'est celui de participer à la fouille de cage de combat. Je vais tout simplement vous montrer comment participer tout simplement à cette fouille. Bah moi je vais vous montrer qu'une fois parce que je vais pas vous montrer trois fois, ça sert à rien. Mais du coup je vais vous montrer une fois comment le faire et tout simplement comment valider votre défi. Donc on est parti, on va directement aller en game. Avant tout ça, n'oubliez pas petit like, petit abonnement, ça me fait extrêmement plaisir et sur ce, on se retrouve en game. Ok, donc les petits potes, nous nous dirigeons vers une cage de combat. Alors ça drop au niveau, je crois, de la 3ème ou 4ème zone. Et c'est tout simplement ce petit item qui est sur votre map. Voilà, comme vous pouvez le constater juste ici. On va directement aller là-bas. Et vous allez tout simplement fouiller la cage et attendre. Ah bah non, même pas, il n'y a même pas besoin d'attendre pour que vous puissiez participer à la fouille. Mais voilà, pour que le loot drop, vous devez attendre que le petit icône qui est juste en bas, il finisse de charger. Donc voilà, vous voyez là, elle est presque terminée. Elle est même terminée avant qu'on arrive. Et vous avez le loot, tout simplement. Vous faites ça trois fois et votre défi sera validé. Et voilà, les petits potes, on est de retour au lobby. Alors, on n'a pas entièrement validé le défi. Comme vous avez pu le voir, on n'est qu'à 1 sur 3, mais vous avez compris le concept. Alors, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, il n'y a qu'une fouille de cache de combat par game, donc limite dès que vous l'avez fait, si vous faites vraiment que vos défis, vous déconnectez de la game. Veillez à ce que quand même la cache soit ouverte avant de vous déconnecter, on sait jamais que ça annule votre progression dans le défi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura été utile, et en tout cas moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Hasta luego, c'était Furo.